Hallo Leute, aujourd'hui j'allume ma troisième bougie et je vais vous parler de l'histoire du plus beau marché de Noël en Allemagne, le marché de Noël de la ville de Goslar. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, Goslar et le marché de Noël de Goslar sont indispensables et l'opinion générale est que le marché de Noël est l'événement le plus important de cette ville. De nombreux marchés de Noël en Allemagne remontent au marché de vente à la fin du Moyen-Âge, comme le Nuremberg Christkindlesmarkt, qui est progressivement devenu une tradition avant Noël, dans la première moitié du XVIe siècle. À Goslar, précurseur du marché de Noël, le premier bazar de Noël, initié par l'organisation d'aide évangélique, a eu lieu en 1951 dans le Schützenhaus. Le marché de Noël de Goslar a eu lieu officiellement pour la première fois sous le nom de Christmas Bazaar, du 1er au 23 décembre 1967, entre le grand magasin Ring, aujourd'hui Karstadt, et le Kammerschnitzspiele, aujourd'hui Kaiser Passage, à Gosswinkel. En 1968, le marché de Noël a finalement déménagé sur la place du marché, où l'administration de la ville de Goslar a organisé le marché de Noël avec 7 stands sur l'exemple de la grande ville, comme Aix-la-Chapelle, Cologne et Nuremberg, avec des forains ingénieux qui cherchaient un deuxième pilier pour la saison froide. Dans les années 1970, les visiteurs du marché de Noël étaient principalement des citoyens de la ville de Goslar et les nombreux visiteurs de la ville et des environs à l'approche de Noël qui achetaient leurs achats à Goslar, la métropole commerciale du nord de la région de Harz. Les heures d'ouverture des stands et de vente étaient liées aux heures de fermeture du magasin, de sorte que le carrousel pour enfants et le stand de saucisses grillées étaient ouverts après la fermeture du magasin et le dimanche. Le marché de Noël a connu son premier essor en 1987 lorsque, sous la direction de l'ancienne Goslar Advertising Association, une association de détaillants du centre-ville, l'objectif a été de faire du marché de Noël de Goslar le plus célèbre et le plus aimable marché de Noël du nord de l'Allemagne en 1990. Au début des années 1990, le marché de Noël de Goslar s'est agrandi avec une quarantaine d'exposants. Les stands ont été rendus plus attrayants et réaménagés. Le marché de Noël était désormais si attractif que le nombre de visiteurs exprimait de plus en plus le désir d'ouvrir le marché également les jours fériés. Le marché de Noël a réussi la percée finale parmi les visiteurs et les résidents de Goslar, qui sont maintenant très fiers de leur marché de Noël. La société de marketing a réussi à augmenter considérablement la qualité de l'offre sur le marché à concevoir, de telle sorte que le marché dans les bâtiments médiévaux autour de la place du marché, Marktkirchhof ou Schulhof, est devenu un véritable joyau. Le design des étals du marché de Noël, qui maintenant passait à 80, est devenu de plus en plus sophistiqué d'année en année, et de nombreux nouveaux accroche-regards ont été créés. À la semaine prochaine pour allumer la dernière bougie avant d'être en famille pour Noël.